Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez très bien. Merci à ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube et je demande à tous ceux qui ne se sont pas abonnés de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Aujourd'hui, la recette que je vais partager avec vous, ça sera du cube magie fait maison à base de produits naturels bio. Donc, je vais vous montrer les ingrédients qu'il vous faut. Il vous faut du céleri, du poireau, un demi-oignon, des feuilles d'oignon, de la carotte, du blanc de poulet, des crevettes. Pour les épices secs, il vous faut du curry, du gingembre en poudre, du poivre en poudre, du paprika, du sel, et du romarin. On va commencer la préparation. Pour ceux qui veulent se passer du cube magie pour éviter de ne pas consommer, voici la solution. Je vais vous montrer comment faire du cube magie fait maison à base de produits naturels bio. Donc, voici les ingrédients que vous avez besoin. On va commencer la préparation. Premièrement, il faut découper les légumes et puis les laver. Je commence à découper le poireau. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il faut découper le poireau et puis le laver. Vous pouvez laver avant de découper, c'est au choix. Ensuite, je vais découper les feuilles d'oignon. Ensuite, le céleri. Épulser la carotte et les découper. Thank you.
Ok, j'ai découpé mes carottes et le mélange des légumes, du céleri, du poireau, des feuilles d'oignon et des oignons. Donc, je vais les laver et on va passer à la préparation. Dans une casserole, il faut ajouter de l'eau bouillante. Déposer la marmite au feu. Ensuite, ajouter les légumes. Je vais ajouter une demi-courgette. Découper la courgette en rondelles et ajouter. Ensuite, ajouter la viande, le blanc de poulet. Et les crevettes. Il faut saler, ajouter beaucoup de sel. Fermez à feu doux 30 minutes jusqu'à cuisson des légumes. Après 30 minutes de cuisson, il faut éteindre le feu et on va continuer la préparation. Les légumes sont prêts. On va les mixer au mixeur. Ajouter les légumes dans le mixeur. C'est le mélange que vous devez ajouter dans le mixeur. Tout le mélange. La carotte, le céleri, tout. Tout. Il faut écraser le tout. Mélanger un peu.
et mixer une deuxième fois. Voici ce que vous allez obtenir. Dans la même casserole, déposez la casserole au feu et puis ajoutez la pâte que vous avez, que j'ai écrasée. Vous voyez, ajoutez la pâte dans la casserole. Ajoutez une cuillerée à café de tomate concentrée ou tomate purée. Ajoutez une demi-cuillerée à café de curry. Demi-cuillerée à café de paprika, une cuillerée à café de paprika, une cuillerée à café de gingembre en poudre, une cuillerée à café de poivre. Et une demi-cuillerée à café de romarin. Mélangez le tout. Faut laisser à feu doux jusqu'à ce que l'eau finisse dans la marmite. On ne veut pas d'eau, il faut attendre jusqu'à ce que l'eau finisse. Remuez de temps en temps pour ne pas que ça se crame. Après 10 minutes de cuisson, voici ce que vous allez obtenir. Voici, c'est du cube fait maison. Je vais congeler ça avec le film. Je vais déposer le film dans mon récipient. Dans le récipient, ajoutez la pâte, faut étaler la pâte dans le récipient.
faut couvrir. Couvrir et puis laisser refroidir avant de mettre au congélateur. Et voici. Il faut laisser refroidir avant de mettre dans le congélateur. Rendez-vous dans quelques minutes. Après quelques heures au congélateur, voici le cube mangé. Donc, je vais renverser ça et puis découper. Voici le cube fait maison. Je vais découper. C'est du cube magie naturel fait maison. Vous voyez, voici le cube. Et voilà. Ok, voici le résultat final de mes cubes faits maison à base de produits naturels bio. Je vais congeler. Voici le cube. J'ai aussi la moitié, j'ai mis dans des sachets. Je vais congeler le tout et puis enlever de temps en temps. Du cube bio fait maison naturel.
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.